Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai eu des petits problèmes de stream aujourd'hui, d'OBS, etc. Donc c'est pour ça que je commence un petit peu tard. C'est un peu le bazar. Mais c'est pas grave. Je pensais me commencer par me chauffer doucement avec un petit peu de Memory League. Hein. On va reprendre un petit peu le bon rythme. Salut, salut Wasted. Welcome. Comment ça va? Il y a du monde, c'est bien, c'est cool. C'est la folie. Ce que je vous propose, c'est que je fais aller 5-10 minutes peut-être de Memory League. On va se tester. Vous pouvez regarder, vous pouvez commenter en live. S'il y en a qui sont là pour faire des matchs, on va se faire des matchs. Hein. Il faut reprendre. Il y a le championnat de France qui va bientôt être annoncé. Il va falloir s'y mettre. Elle est comment là? Ma fenêtre là, c'est pas fou, il m'a tout cassé aujourd'hui là. OBS là. Je suis pas satisfait par OBS. Ou alors je suis peut-être nul, je sais pas m'en servir. Ce que je vais faire, je vais quand même essayer, je sais pas si c'est assez grand ça. Peut-être ça ira pour démarrer. Allez, on va se tenter. Je fais un petit run. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Est-ce qu'il y en a qui veulent se faire des matchs? Wasted, t'es chaud ou pas? T'as un compte Memory League ou pas? Parce que tant qu'à faire. Tant qu'on s'entraîne, autant qu'on se fasse des petits matchs quoi. Sinon c'est juste moi mon casque, je fais peut-être un run de. Le but là c'est j'ai envie d'aller vite. J'ai envie de. J'aurais certainement pas tout bon, mais le but c'est d'aller vite. Là, faut que j'aille vite. J'ai pas du tout suivi le World Tour. Un peu débordé en ce moment. Je vais peut-être me faire un peu de cartes. Allez, faire un petit run de cartes vite fait. On est parti. Allez, je vais faire des cartes. Objectif. Allez, je sais pas, moi en dessous de 40 secondes, ce serait pas mal. Est-ce que je vais réussir à être au rookie? Mais c'est pas grave, ça fait des points. Ça fait des points, c'est quoi ton pseudo? Vas-y, on se fait un match. On s'en fout de ça. Moi je suis là. Là, tu peux me voir dans le chat. C'est pas grave. Le but, c'est qu'au début, déjà, tu t'entraînes. De toute façon, le but, c'est pas. En fait, moi, même quand je fais un match contre quelqu'un, moi le but, c'est pas forcément de battre l'autre, enfin, quand c'est un match officiel, mais. C'est vraiment de battre son score, de faire un bon temps quoi. T'es pas chaud, y a pas de soucis. Ce sera moi tout seul. Et puis après, moi je pense faire un peu de karaté. Alors, je sais pas si t'es chaud pour faire du karaté, on va faire du karaté. Parce que j'ai un petit problème de vocabulaire en ce moment au karaté. C'est que on a fait les passages de grade et tout il y a pas longtemps. Parce que j'ai un gros niveau en karaté quand même. Hein. Je viens de passer officiellement ceinture verte. Donc c'est un très très gros niveau. Mais en fait, je me suis aperçu que je connaissais pas du tout le vocabulaire. On s'est un peu tapé, mais j'étais pas le seul, hein. Donc j'ai un peu la honte, mais du coup il va falloir que je bosse le vocabulaire. Donc tout à l'heure, je pensais que ce serait un bon exemple de faire un peu de honky pour mémoriser du vocabulaire et vous montrer un peu comment j'allais m'attaquer au sujet. J'ai déjà créé un petit deck de cartes, donc on fera ça. Mais d'abord, faire un petit run. Wasted, je te laisse accueillir les autres s'il y en a qui arrivent, et puis on va se faire un peu de cartes. On va y aller. À tout de suite, je vais peut-être remettre un poil. De son mais tout doucement quoi. Voilà, tac, allez c'est parti. On est parti sur la carte. Peut-être pas mettre le casque. Peut-être pas besoin de faire sans casque.
C'est pas fou là. Non, en fait, j'aurais dû mettre le casque. La musique, c'est pas possible. C'est l'enfer. Ouais, c'est pas fou ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, bon déjà en fait, le casque ça aurait été bien. Non, en fait la musique, je pensais pas que ça me dérangerait à ce point-là. C'était dingue. Alors, ouais, okay, déjà j'ai pas la première image, c'est super. Celle-là je l'avais pas. Il manque combien? Une, deux, trois... Allez, 5 images, mais bon. Le temps est pourri, le résultat est pourri. C'est pas génial, c'est pas génial. Je compte rester là-dessus, on va s'en faire peut-être un autre vite fait. Est-ce qu'on tente autre chose? Allez, on se fait un run de quoi? Vous voulez faire quoi? On va faire des... Alors pareil, hein, s'il y en a d'autres qui veulent faire un petit match vite fait, dites-moi. Que du coup c'est plus sympa que plutôt de me voir hein. Je pense mémoriser des trucs tout seul ce qui est un peu ennuyeux. Je vais pas en faire 12 000 hein. Je vais en faire un ou deux et puis après on va passer au karaté, on va passer au vocabulaire de japonais.
Donc s'il y en a qui veulent se faire un petit match vite fait, mais sinon, allez, je vais faire un petit peu... Je fais un run d'image, mais ce coup-ci, il faut vraiment que je... En fait, je pensais pas que la musique me dérangerait à ce point-là, mais c'est un truc de dingue. Je pense que je vais partir sur les images. Peut-être les noms. Peut-être les... On va voir. Allez, petit run d'image, tout de suite. Pas du tout sûr de moi. Oh, je suis pas du tout. C'est ça. Canon était pas plus haut. Oh, le carrelage. Ah bon. Oh, le miracle, le miracle, c'est complètement j'y croyais pas du tout. C'est pas mal ça, un petit 1584, petit écran vert 1584. C'est comment, c'est pas mon best, je pense. Loin de là, loin de là. 14, mon best. On était dans le top 5, on était dans le top 5 quand même. Ça aurait été un petit top 5, ça fait plaisir. Bon, ok. Allez, on va arrêter pour l'instant. Hein. Je pense que ça va pour l'instant.
Je sais pas si ça vous dérange la musique. Voilà, non, on a fait un petit run. On a fait un petit run de Memory League, histoire de se remettre dedans. Ok, donc c'est pour ceux qui le souhaitent. Je vois même plus les alertes. Il y a plus rien qui va sur ce chat, sur ce tweet là. OBS, j'ai tout cassé, désolé. Je vois plus les alertes. Je vois plus rien. Je sais même pas qui a suivi, mais tant mieux, welcome. Alors, on va arrêter ça tout de suite parce que ça va plus du tout. Ah oui, d'accord, mais le truc est derrière, je sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si je fais ça, peut-être. Voilà, je sais pas. J'ai eu des petits soucis. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça ne marche pas. Bon, welcome à vous. Alors, ce que je vous propose, du coup, maintenant que j'ai arrêté avec mes histoires de Memory League, c'était juste pour m'entraîner un petit peu vite fait, je vous propose qu'on fasse un peu de japonais. Un peu de japonais, alors pourquoi? Alors, j'ai dit tout à l'heure, mais en gros, il faut que j'apprenne du vocabulaire, de karaté, voilà. Voilà, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous montrer un peu comment on peut faire du vocabulaire, comment on va faire des associations qui sont à la fois visuelles, à la fois sémantiques, un petit peu orthographo-phonétiques, ce genre de choses. Et on va essayer de faire ça, si ça veut bien marcher. Ah ouais, d'accord, on voit carrément plus ma tronche. Mais c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là. Qu'est-ce que j'ai fait avec la... Okay. Non, c'est pas grave, je vais revenir là-dessus. Et on va juste changer celle-là. Et j'ai peut-être quand même coupé la musique. On n'a plus besoin de musique. Là, on n'est pas dans un... je sais pas, un lounge ou un bar, si j'y arrive. C'est vrai que vous voyez qu'on est sur de la production qui est très amateuriste. C'est un carnage. Bon, allez, c'est pas grave. On va reprendre, je vais changer, je vais passer sur la fenêtre. Anki, voilà, parce que alors Anki, pour ceux qui ne connaissent pas, le magnifique outil qui est Anki. Pourquoi ça, cette tronche-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne marchait pas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marchait pas. Bon, je sais pas, on va voir. Pourquoi ça, cette tronche-là? C'est quand même très bizarre. Bon, je sais pourquoi on est là-dessus. Bon, voilà. Donc, c'est pas grave. Je suis sur un paquet Anki. Ça ne ressemble à rien. L'objectif de Anki, donc, ça va être de faire des flashcards et de mémoriser du contenu. OK. Donc là, je m'étais déjà... peut-être, moi, il faut que je revoie là un petit peu là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je sais pas, c'est pas foufou, quoi. Alors, je m'étais fait un deck avec des cartes. Voilà. Et là, on arrive sur une expression. Une expression, par exemple, en japonais, c'est Musubi Dachi. Alors, moi, d'abord, ce que j'aime bien faire, Musubi Dachi, c'est aller voir ce que ça veut dire. Donc, par exemple, Musubi Dachi, on va aller voir. J'y arrive. C'était pas mal, ça, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas le... Ok, on va juste aller directement chercher sur internet ce que ça veut dire Musubi Dachi, et après on va pouvoir bosser. Enfin, je l'espère, parce que là c'est pas super cool. Alors, on va taper Musubi Dachi. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va peut-être pouvoir bosser. Voilà. Ok, ça y est, on va y arriver. Alors, Musubi Dachi, c'est moche. C'est très très moche. Si je fais ça, ça ressemble à quoi? Ouais, ça ira pour l'instant. Alors, Musubi Dachi, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette posture, en fait, de pieds joints, avec, du coup, les orteils vers l'extérieur. C'est une posture, logiquement, qui montre le respect et qui va servir notamment à saluer, mais ça peut être aussi le départ de plein de katas. La question, c'est qu'est-ce que je peux mettre? Ce serait bien d'aller voir d'ailleurs ce que ça veut dire, Musubi Dachi, à la base. D'accord, des super pubs. Définition, talon collé, pied ouvert, position haute. Bon, c'est cette posture-là. Peut-être ce que je vais juste faire, je vais juste mettre une photo
Et après, je vais faire ça. Alors voilà, on va prendre celle-là. Elle est pas mal. Et ensuite, alors ce qui est bien dans Key, c'est qu'après, on peut aller dans Key. Et je peux tout à fait prendre ma note, l'éditer. Je pourrais mettre des commentaires, mais là, comme c'est une posture, j'ai pas forcément envie de mettre beaucoup de commentaires. Je peux directement aller carrément mettre la photo en question si je la trouve. Tac. C'est pas foufou, mais bon, ça ira. Et donc là, boum, j'ai ma carte. Si je monte la réponse, bim, j'ai la posture de Musubidachi. Ce que je peux faire aussi, c'est bon. Je pourrais faire une flashcard qui est toute simple, comme ça, où j'ai juste, en gros, la question et la réponse. Ok, c'est ce qu'on fait très souvent quand on apprend du vocabulaire, quand on apprend un nouveau syllabaire, un nouvel alphabet. On peut faire les pays, les capitales, les drapeaux, ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Idéalement, j'aimerais aller à l'étape suivante. Ok, on est des mnémonistes, on sait mémoriser, voilà, on connaît les techniques de mémorisation, l'imagerie mentale, le double codage, tout ça. Donc moi, j'ai envie quand même de me créer une image qui fonctionne bien. Alors, Musubidachi, la question qu'on peut se poser déjà, c'est ok, bah, à quoi ça nous fait penser? Alors, je sais pas si vous, ça vous fait penser à un truc. Il y en a qui vont me dire, bah ouais, Musubidachi, moi, ça me fait penser à rien parce que, un, je parle pas japonais. Et j'ai envie de dire, je m'en moque même de ce que ça veut dire en japonais. Enfin, sauf si vraiment je voulais vraiment apprendre ce que ça veut dire en japonais. Moi, ce que je veux, c'est quand j'entends. Ah oui, non, mais si je fais ça va être atroce. Quand j'entends le mot, tout simplement l'expression Musubidachi, idéalement, tout de suite. J'ai la posture qui me vient en tête, d'accord? Et c'est un peu ce qu'on veut, même quand on a, comment dire, un mot dans une langue, on a envie d'avoir la signification, une image de ce que ça représente, ok? Parce que c'est pas obligé qu'on ait la traduction littérale, du moment que je sais ce que ça veut dire, d'accord? It's raining cats and dogs, j'ai pas forcément envie d'avoir l'image de chat et de chien qui tombent du ciel, ok? Je veux comprendre que oui, ça veut dire il pleut comme vache qui pisse ou il pleut des cordes. Ok, donc je veux après dedans il y a raining, mais vous voyez ce que je veux dire en termes d'idiom. Donc là, idéalement, je vais partir de l'indice que je vais avoir, c'est-à-dire, et je vais le faire dans le sens où moi j'ai envie de m'en rappeler, c'est-à-dire Musubi Dachi. Bon, Dachi, je sais que c'est une posture debout, donc ça je vais pas le prendre. Musubi tout seul. Donc à quoi ça peut me faire penser Musubi? Musubi, moi ça me fait penser à de la mousse. Ça marche bien. Musubi. Soubi, moussoubi, moussoubi. Un mousse qui est bi, okay, un mousse de marine, par exemple. Mais mousse, c'est bien, ok. Donc là, je peux me rajouter après l'image, par exemple, entre parenthèses, mousse, d'accord. Et mon image, mon lien, ma connexion, ce sera de la mousse. Donc après, il faudrait que je lie cette idée de mousse à la posture. Alors maintenant, pour que ça marche, pour avoir un moyen mnémotechnique qui fonctionne bien, bah, je peux me dire, ok. Voyons voir, ok, le gars il se tient comme ça, ouais, il se tient debout comme ça, droit, avec les pieds joints. Et bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Bah peut-être parce que c'est un mousse de marine, et il se tient, il est prêt à saluer, il est droit, comme ça, les pieds joints. Et donc c'est logique, c'est un mousse, il a un uniforme, et il doit attendre, il doit se tenir comme ça, et peut-être, alors le mousse, je sais pas pour vous, mais pour moi le mousse c'est celui qui s'occupe souvent de nettoyer tout ce qu'il y a sur le bateau, donc peut-être il est là, et dans les mains, je sais pas, il doit tenir une serpillière. Ou des brosses, ce qui explique qu'il ait les mains comme ça devant lui, et il a les pieds joints parce qu'il le garde à vous, parce que je sais pas, il y a le capitaine du navire qui passe par exemple. Ok, c'est peut-être pas la meilleure situation du monde, mais ça fonctionne pour l'instant, je vais la prendre, on va garder ça. Ok, ensuite on va passer à Eiko Dachi. Alors bon, je vais pas vous faire toute la série des Dachi, mais Dachi pareil ça veut dire debout, donc Eiko. Donc pareil, je vais voir. Ok, très bien, ça veut dire quoi Eiko? Echo, 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 je suis où? Je suis pour mon truc, tac. Echo, alors on va taper, tac. Echo Dachi. Alors, Echo Dachi, c'est celle-là. Alors là, c'est juste les pieds à largeur d'épaule. Avec les pieds droits. Posture parallèle. Bon. Ah, c'est pas mal, ils sont tous. Est-ce qu'il y a un truc, ça c'est Chico? Non, c'est pas Chico que je veux. Ok, je vais peut-être prendre celle-là, elle est pas mal. Je les aime bien, c'est celle-là. Donc je peux l'enregistrer, bim. Eiko Dachi, on va partir là-dessus. Je reviens sur mon petit Anki. Et on va se mettre Eiko Dachi bah, directement dans ma carte. Pareil, quand c'est quelque chose de visuel que vous voulez retenir, je sais pas m'emmerder, bah, on va mettre directement la photo, quoi. Eiko Dachi, elle est là, boum.
Donc là, pareil que tout à l'heure, quoi. Est-ce que j'ai besoin de... vraiment, on la sent plus petit, mais c'est pas très grave. Maintenant, il faut que je me fasse un lien phonétique ou sémantique avec le mot écho. Ok, donc écho, à quoi ça peut faire penser? Alors, écho, qu'est-ce que je peux avoir, moi? Écho, il est pas facile celui-là, écho, tiens. Écho, ça me fait penser un peu à Inoken. Écho. Hey, c'est Heiko, c'est pas Heiko. Hey, ça fait Hey, salut, comment ça va? Hey, comment ça va? Ça peut être Hey, comment ça va? C'est pas foufou, mais ça marche. Heck, heck, heck. C'est un peu une sorte de jonc, un peu en anglais, un peu mignon. Un écho. C'est bon que t'es là, oui. Un écho, c'est pas mal. La monstre Seiko, c'est pas mal non plus. Écho. Écho, ça sonne vraiment, vraiment comme écho, pour le coup. C'est pas mal. Ouais, écho, c'est pas mal. T'es bon, t'es bon, t'es très bon. On va partir sur du écho, ça me va bien. Écho, et du coup, il a sa posture, tu vois, il a sa posture où il est droit, comme ça. Et en fait, il se tient, et peut-être il se tient, j'imagine, il se tient devant une montagne ou devant un tunnel. Et là, il a les pieds bien ancrés dans le sol, il a les pieds bien parallèles au sol. Et puis là, écho, 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 c'est pas mal ça. Il peut avoir des montres, d'ailleurs, il a deux montres Seiko, c'est pour ça qu'il a les bras comme ça, bien séparés du corps pour bien montrer ses montres. Ouais, bien sûr, c'est complètement logique. Merci, merci Westin, excellente idée. Ok, celui-là pas mal. Tetsui Uchi. Alors, Tetsui Uchi, là, on est sur une frappe, logiquement. Tetsui Uchi, une frappe en forme de marteau. Alors là, j'ai du bol parce que je sais déjà ce que ça veut dire Tetsuo, ce qui veut dire la masse, logiquement. Mais on va quand même aller voir Tetsui Uchi, ce que c'est. Bim. Qu'est-ce qu'on a comme image? Ouais. Ça, c'est pas mal en fait, hein. Ça, c'est clair quand même ce que c'est. Ah, voilà, celle-là est. C'est marrant parce que lui, il a pas le point pareil. Pour moi, c'était vraiment le point vers le bas. Tetsui Uchi. Parce que Uchi, logiquement, c'est. Sur le côté. Le marteau de fer. Ah ouais, mais c'est bien sur le côté, donc c'est bien celui-là. Donc ça a l'air d'être celui-là, Tetsui Uchi. Ok. Bon, on va partir sur celui-là. Parce qu'il est bien et je le vois bien. Donc on va partir sur celui-là. Et on va mettre ça dans mon petit. Bonsoir, salut Aaron. On va mettre ça dans Anki. Fait un peu de karaté. Alors, du coup, là, tu vois déjà dans ma carte, il y a une petite faute parce qu'apparemment, je sais pas pourquoi, maintenant le programme que j'avais, il m'était doté, mais bon, de toute façon, c'est du phonétique japonais romanisé, comme on dit. Donc, je vais mettre la petite photo de ma frappe, du Tetsui Uchi. Alors, pour ceux qui ont fait du karaté, ça va vous paraître ultra basique. Pour ceux qui n'ont jamais fait, ça va vous paraître complètement inutile. Mais pour moi, ça va être assez utile. Mais après, c'est le principe qui m'intéresse. Alors maintenant, ok, il faut qu'on se trouve une association à Tetsui Uchi. Donc Tetsui Uchi, Uchi. Alors logiquement, je sais que ça vient. Comment dire? Uchi, c'est ce qui vient de. C'est ce qui vient. Je dis pas de bêtises. Ça vient de. C'est pas de l'arrière, mais ça vient du ventre un peu. Donc c'est une attaque qui vient du ventre. Donc ça je le sais, donc j'ai pas besoin, une fois de plus on ne mémorise pas ce qu'on connaît déjà. Par contre, à l'intérieur, merci, j'aurais que tout le monde dit que des karatékas ou que des pros du japonais, donc c'est cool. À l'intérieur, oui, ah bah oui, Soto c'est extérieur, Uchi intérieur, voilà, merci. Alors ça va peut-être falloir que je me le rajoute. Et Tetsui, alors Tetsuo je sais que c'est la frappe du marteau de fer, mais mettons que je l'oublie, est-ce que je vais l'oublier? Ça commence par tête. Donc comme ça commence par tête, Tetsui, ça peut me faire penser à la tête du marteau. Hein, un marteau, c'est une tête. Tête du marteau. Et comme je sais que c'est le marteau de fer, voilà, c'est la tête du marteau qui vient de l'intérieur. Donc ce qui explique ce mouvement. Hop. Ouais, ok, bah nickel, ça fonctionne ça. Motodachi. Alors Motodachi, ça, on va aller voir ce que c'est Motodachi. Bim. Motodachi, on va aller sur quoi? Hop. L'intérêt de Google Images quand même. Alors Motodachi, c'est pas Ikodachi du coup.
C'est juste cette posture. Alors, c'est pas Zenkutsu du coup. C'est quoi? C'est en gros, c'est un pas vers l'avant, en décalé, assez simple. Donc, c'est pas aussi avancé que Zenkutsu. Est-ce que j'ai une image qui est sympa? J'aime bien celles-là, là. Elles sont pas mal, celles-là. Bah, je vais partir peut-être de ça. Hop, je vais prendre celle-là. Motodachi, nickel. On va revenir sur ma petite, mon petit Anki. On va faire Motodachi, on a dit, c'est celui-là. Et moi, ça, c'est une fonction que j'utilise de plus en plus maintenant sur Anki. C'est vraiment bah, d'avoir des images, en fait, des photos. Et là, je suis en train de refaire tout mon Millennium uniquement avec des photos, des images. Et je sens que je vais beaucoup m'améliorer. J'espère que ça se sentira au prochain championnat de France. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le prochain championnat de France d'ailleurs, pour ceux qui ont vu les infos, ce sera à Lille. Okay? Pour ceux qui veulent venir à Lille, je suis en train de voir qu'en fait, quand j'édite un truc, vous ne le voyez pas forcément. Si. Enfin, donc, Motodachi. Okay? Alors, Motodachi, là, j'ai envie de dire assez simple. Ok, moto, on va dire. Ouais, c'est quand je monte sur ma moto, quoi. Qu'est-ce que je fais pour monter sur ma moto? Bah, je fais juste un pas. Ah non, quand je pousse ma moto, peut-être, je fais un pas en avant. Ouais, je sais pas. On verra. Ouais, en fait, parce que je fais du karaté en ce moment et je me suis aperçu que j'étais complètement à la rue sur le vocabulaire, mais en fait, parce que je n'ai jamais bossé. Et du coup, je me suis dit que j'allais, Aaron, bah, tout simplement, me faire un hanki avec tous les termes que j'ai besoin de savoir, notamment parce que pour tous les passages de grade, tu dois apprendre. Enfin, nous, on a un prof voilà, qui est très très pointu donc, sur les termes. Et donc, il nous fait des combinaisons de phrases et tout, et des enchaînements. Et en gros, je m'aperçois que ça fait 3-4 ceintures que j'ai pas du tout appris les termes. Et du coup, là, la dernière fois, j'étais un petit peu à la rue. Bon, j'ai eu ma ceinture, mais ceinture verte, attention. Mais quand même, j'ai envie de le bosser, quoi. Et du coup, enfin, je le fais pas juste pour moi, en fait, je le fais aussi pour les autres du groupe. Donc je me dis, si je peux partager après mon deck Anki avec eux, je vais gagner des points, tu vois, ils vont être contents, quoi. Tac. Et puis en plus, je trouve que c'est un bon exemple de comment on peut bosser avec du vocabulaire ou avec quelque chose, des associations un peu visuelles. Iko Ashi. Alors, Ashi, logiquement, c'est le pas ou la jambe. Iko, tu vois, je sais même pas ce que c'est. Iko Ashi, c'est quoi? Non, alors là, on tombe sur des trucs, c'est pas du tout ça. Ou c'est Ikihashi? Peut-être taper karaté, ça va limiter. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu ça, Iko Ashi, c'est quoi? Ah, attends, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ayumi Hashi, Yori Hashi. C'est quoi Iko Hashi? Parce qu'il me trouve des trucs, moi j'ai jamais vu. Ouais, d'accord, en plus je suis pas sur la bonne. Je vous montre pas ce que je regarde en même temps. Iko Hashi, qu'est-ce que c'est? C'est les postures, Morohashi, Uchihashi, je suis sur les fesses là parce que. Attends. Ikihashi alors? Pourquoi j'ai noté Ikohashi? Alors attends, là ça demande peut-être une vérification. Parce que c'est possible que j'ai fait une erreur de. Hachi, say stance, low stance. Ah, bah, elles sont pas mal aussi, celles-là. Oh, je peux aller directement là-dessus, prendre ça, c'est pas mal non plus. Elles sont bien, celles-là. Ce site est top, en fait. Wikipédia, c'est magique. Je devrais grave aller sur Wikipédia, le reste. Il y a Ico, mais tout ce qui est en rapport avec le vol, mais Ico, je connais pas. Non, non, mais attends, bouge pas, j'ai dû faire une grosse bêtise. Attends, je vais vérifier parce qu'en fait, il nous a envoyé un programme.
Mais je l'avais jamais vu ailleurs, ce programme. Cobra Kai. Qu'est-ce qui est marqué sur le programme? Ah non, c'est Ikihashi, tu vois. Bon, ok, d'accord. C'est juste, en fait, je sais pas. C'est juste que je ne sais pas lire. Alors, du coup, Ikihashi, c'est quoi? Ça a l'air d'être ça. Yumiashi, dans le déplacement. Non, mais après, on tombe sur le site de Lionel Froidure, c'est pas l'objectif. Yashi, c'est ça. C'est en arrière? Ikihashigiri. C'est quoi, Ikihashi? C'est pas très clair. Ayumiyashi, ouais. Non, mais c'est quand même dingue. On puisse pas trouver les Iko, tout ce qui a rapport avec le vol, mais. Bon, Ikihashi. Enfin, déjà, ça, je vais pouvoir éditer. C'est Ikihashi, non pas Ikuhashi. Ok. Ok. Bah non, alors. Comment je peux. Ikihashi, déplacement. Ah, Ikihashi, bim. Alors, déplacement vers l'arrière. Ah bah c'est l'arrière. Destiné à rectifier rapidement la distance lors d'un assaut adverse utilisant le but d'absorber l'attaque. Il doit être limité au strict nécessaire pour apporter un coup difficile. Certaines positions sont plus appropriées que d'autres. Coup de défi, coup de défi, ok. Dans ce cas, on va entreprendre tous les déplacements dirigés vers l'avant. Donc c'est... Hop. Ah bah en fait c'est juste un pas en arrière en fait quoi. Bon ok. Bon bah écoute, je le saurai. C'est bon à savoir que Ikihashi, c'est déplacement en arrière. Mais alors, là, j'en avais aucune idée. C'est vrai que c'est un truc que je crois qu'on n'a jamais fait à l'entraînement. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour noter que c'est qu'est-ce que je peux prendre comme image? Je prends ça ou est-ce que je prends. Maintenant que je sais ce que c'est, ça va peut-être être plus facile de le trouver. Oui, bah c'est juste ça en fait. Non, mais je vais prendre ça, c'est très bien ça. Tac. La séance des coups de sous. Ok. On va y arriver. Bim. S'il y en a qui veulent faire des matchs à la place, je suis partant. Hein, sur les Morelli. Puis ça vous saoule le japonais. Je comprendrai aussi. Hein. Alors, Ikihashi, on a dit, c'est déplacement. Bon, celui-là. Celui-là non plus. Yumu Kiyashi. Celui-là non plus. Mais il est où? Non, il est où? Non, non, non. Je l'ai perdu. Ah, il pouvait pas le télécharger. Bon, je réessaye. Il veut pas. Bon, ok, ici il veut pas. C'est quoi ces pubs là? Ok. On va y arriver. Là, j'en ai trouvé un qui va bien. Hop, je reviens là. Kiyashi, boum. Je l'intègre. C'est un petit gif donc c'est pas mal. Alors Iki, pour le rajouter, pour le retenir, on va dire Ikihashi, ce que je pourrais faire c'est, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui a Ik Ik, quelqu'un qui a Ik, qui est le ok Ik, qui recule, ok. Et ouais, parce que pour faire passer le ok, hein,
Il faut faire peur. Et quand tu as peur, tu recules. Complètement logique. Je valide. On va partir là-dessus. On verra après, ça revient. Musubidachi, donc ça on l'a déjà dit, c'est le mousse qui est au garde à vous. Ouais, Eikodachi, on a dit, c'est l'écho. Donc le gars qui est droit avec ses deux Seiko sur les mains, les montres. À Shuto-uchi. Ok, alors Shuto-uchi, c'est une frappe aussi du plat de la main. Donc on va aller voir Shuto-uchi. Qu'est-ce qu'on a pour Shuto-uchi? C'est comme ça, Shuto-uchi. Tac, c'est celui-là. Bon, celui-là est très bien. Shuto-uchi, donc c'est quoi? Frappe. Là, c'est vers l'intérieur, c'est ça? Ah bah il est bien celui-là. Hein. Vais prendre ça, Shuto-uchi, ça a l'air bien. Va partir là-dessus. Qui c'est tiré en japonais? Ah c'est tiré. Ikihashi, d'accord, c'est un pas qui tire vers l'arrière. D'accord. Intéressant. Ok. C'est aussi un compteur pour les petits animaux, d'accord, tu vois, intéressant. Oui, il y a Itotsu, Futatsu, Ki, Niki, Hipiki, Nihiki. Oh, c'est mignon, c'est pour compter les petits animaux. Tout à fait mignon. Mais j'étais parti, que je ne me laisse pas perturber, sur le Shuto-uchi. Très bien, Shuto-uchi, nous allons l'éditer, nous allons rajouter. La petite image, bim bam. Est-ce qu'il y en a qui ont prévu du coup de participer au championnat de France? Est-ce qu'il y en a qui sont chauds? Ça va être à Lille. Pas s'il y en a qui vont être présents. Shuto-uchi. Alors Shuto-uchi, Shuto, je sais ce que c'est, vers l'intérieur. Est-ce que j'ai besoin? Shuto, qu'est-ce que je peux rajouter pour Shuto? Tais-toi, et puis je te mets une manchette. Mais là, j'ai pas forcément besoin, j'ai envie de dire, le... c'est un terme qu'on emploie énormément, donc je ne vais pas forcément mettre d'association pour celui-là. Tellement il est simple, logiquement. C'est aussi un compteur, ok. Tu confirmes, Aaron, nickel. Ok, alors ensuite on a quoi? Tetsuyuchi, on l'a déjà fait, c'est la tête de marteau, bim. Ok. Urakenuchi, Uraken, donc c'est le coup en arrière, là, le coup de poing en arrière. Là, pleine face, Uraken, Uchi, donc ça doit être celui-là. Alors attention, parce que c'est Uraken, Uchi. Le revers du poing. Ouais, c'est celui-là. Hein. Attention, parce qu'il y en a deux, il y a celui-là vers le haut et celui vers le côté. Il vient de l'intérieur, de toute façon, donc. Uraken Uchi. Ouais. The reverse of the fist. Kawakarate Uraken Uchi. Uraken Uchi. Ok, bon. Johnny Cadillac. C'est marrant, il le fait. C'est celui-là, ok. Je vais faire celui-là, je l'aime bien parce qu'en plus j'ai déjà vu ses katas. Sont pas mal. Puis une coupe de cheveux de ouf. Uraken Uchi. Allez, on va partir là-dessus. Ok, Uraken Uchi, c'est parti. On va éditer. On rajoute l'image. Il est où mon Uraken? Il est là. Alors, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo là, ou le dernier stream avec Château de Versailles, j'ai fait une grossière erreur, c'est que j'ai complètement oublié le couloir des statues. Du coup, ça m'a décalé tous mes lieux de 1, enfin 2. Donc pour ceux qui voulaient continuer, soit vous continuez sans le couloir des statues, mais du coup il va peut-être vous manquer une pièce. Peut-être je le referai ou je
Je continuerai cette série sur le château de Versailles, là, sur les rois de France. Uraken Uchi, bon, Uraken, Ura, moi je sais que c'est en arrière. Donc logiquement, j'ai pas besoin de. Uchi, et ça vient de l'intérieur, donc je sais que ça vient de l'intérieur, ouais. Non, j'ai pas forcément besoin d'autre chose que ça. Ou c'est l'intérieur du pouel, ouais, on va rester là-dessus, ça devrait le faire. Motodachi, on a dit, c'est le gars qui monte sur sa moto, qui pose sa moto en faisant un pas, donc ça va. Le Nukité, alors ça, le Nukité, c'est sympa. Bien, moi, le Nukité. Bonne technique de gros violent. Le Nukité, c'est la lance, logiquement, Nukité. Alors, je sais pas si ça veut dire ça exactement, mais. Voilà. Ça, c'est le Nukité. Et carrément dans la glotte. Dans la gorge. Voilà, ça fait bien mal. Merci Fiore Tartalia. Pardon. Pourquoi j'éternue? C'est trop humide ici, je pense. Ok, on est quitté. On est parti. Je vais m'en faire ma petite. Ah, il me semble, c'est à vérifier. Mais il me semble que l'expression japonaise veut dire la lance. Je sais pas si c'est ça du tout, ou si c'est du flan, ou si c'est le prof qui m'a menti. Alors pareil, là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une association? A priori, non, quoi. Nikité, traduction japonaise. Tactique japonaise du karaté. Quitter le pic de main. Piqué de main, ouais, d'accord. Mais j'aurais voulu le Tetsuitsuki, coup de marteau, Nikité, pic de main, Raken, coup avec le revers du poing. Pic de main avec 4 doigts. Ah là, ils disent 4, c'est marrant. Ok, je crois que c'était 3, mais. Seiken, point formé. Ok, bah j'ai pas forcément traduction japonais. Hop. On va essayer, hein. Quitter. Quitter. À pénétration. C'est la pénétration. Shinto. Ah, c'est bon. Nukité. Le truc, c'est que si j'ai pas les. Tirer la main. Ah, là, ils disent tirer la main. Ah, la pique de main. Ok. Qu'est-ce qu'il dit là? De poche, non. T'accroches, chercher, Nukité. Et je sais que c'est la main. Bon. Allez, la lance de la main ou la pique de main. Good enough. Tu dis Nuki, c'est extraire et T, c'est non. T c'est main, ouais. T c'est la main, ça je valide. Nuki, tu dis extraire. Non, mais c'est pas toi qui t'es à fond sur les kanji là. Tu voulais bosser les kanji. Maete, donc c'est la main en avant logiquement. Donc ça doit être un truc comme ça. Mae, ça doit être en face ou en avant. Maete. Non, ça c'est un Maite Tsuki. C'est un Maite. Maite. C'est juste mettre la main en avant, c'est tout? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Maite que je cherche, c'est. Ok. Maite Karate. Ce sera mieux. Ah, non, on a le gif, c'est bon ça? Tsuki, Yokutsuki, Oitsuki, Maete Tsuki. Je vois absolument pas de différence entre le Maete Tsuki et le Oitsuki. Ah non, pour aller sur Facebook, pas déconner, mais bon. Oitsuki, coup de poing en poursuite avec un pas, coup de poing avec le poing en avant. Ah, c'est juste ça, Maete Tsuki? Tu mets juste ton poing devant, en fait. Tu mets ta main devant. Je mets le poing devant, et le poing derrière.
Faire le tout petit rond. 10 ans. C'est dingue. Je suis sur les fesses. Ok, bon. Bah écoutez les gars, Maite Tsuki, c'est parti. Hein. Maite. J'ai quand même précisé que c'est un Tsuki. Il met Tsuki, mais moi je préfère Tsuki. Je sais pas si c'est Tsuki ou Tsuki. Moi je dirais Tsuki, mais. Donc Maite Tsuki. Mais attends, j'ai pas pris de. Ah! Il fallait quand même une photo. Fallait une photo. Ben voilà. Alors ça, c'est quand même génial. Attention à ne pas confondre Maïté et Maïté. Ça, c'est génial. Le mec qui a fait ça, c'est un génie. Mais Kizamitsuki ou Maïté? Ah, c'est le même que Kizamitsuki? Ben, je crois pas, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de pain en avant. Alors, je n'ai strictement rien compris. Je n'ai peut-être rien compris d'ailleurs. On va refaire Maïté Karaté. Maïté Tsuki. Tsuki, alors. Maïté Tsuki. Maïté Tsuki est une frappe directe du poing avant, à partir de la position dans laquelle on se trouve, en général au niveau de Jodan. Bon, d'accord? Cette technique. Vraiment, Kizamitsuki est donné avec le buste encore de face et est souvent effectué avec le même bras. Il effectue un blocage type Soto Oki Uchi-Oki après une esquive par déplacement intérieur. Et avoir toujours l'esprit que cette technique expose le buste de manière importante peut permettre une contre-attaque de l'adversaire. Puissance de la technique est augmentée lorsque ça accompagne d'un pas glissé de Tsugihashi. Avec le buste encore de face, d'accord. Alors, Kizamitsuki. Bon, c'est pas. Ouais, j'y suis toujours pas, hein. Quand même, chuchu. Pas flagrant, flagrant, quoi. On va dire que c'est ça, quoi. Arrêtez ces points dans ta face, quoi. On va dire que c'est ça. Et puis. Mais celui-là, pour le coup, c'est vrai que je l'avais pas du tout. En fait, je l'avais peut-être même jamais vu. Ok, bon, on part là-dessus. Maïté Tsuki. Tac tac, Maïté Tsuki, il est où? Alors il est où là? Maïté Non mais il n'a pas pris encore. Plus rien téléchargé sur Internet. C'est vrai ça. L'a pris ou pas? Est protégé de nos jours, les gars. On peut plus rien faire, on peut plus pirater, on peut plus. Plus rien choper sur Internet. Même les photos, même pour un usage personnel. Ok. Je vais réessayer quand même parce que là j'y arrive pas. Ok, là j'ai eu un gif. Alors ça marche. Alors oui, on va me dire oui, mais tu vois, Guillaume, tout le temps que tu passes pour créer des cartes. Mais je passe du temps pour en économiser plus tard. Maïté, alors Maïté, du coup, je sais que Maï c'est devant, je sais que T c'est la main. Je pourrais rajouter Maïté, j'imagine Maïté qui met une grosse patate à Micheline. Mais bon, logiquement, il n'y a pas besoin. Logiquement, ça passe. Ok, Ikihashi, on a dit, c'est. J'ai l'ok, je recule, on n'a rien, ça marche. Ok, Shuto-Uchi, on a dit, on sait ce que c'est. Shuto. Chokutsuki. Chokutsuki. Chokutsuki, je connais pas du tout. Chokutsuki, je suppose que c'est pas pour du chocolat. Cho Pou Tsuki. Voilà. Ah oui, c'est Bam Bam. C'est pas. C'est une deux quoi. C'est un une deux. Straight punch Chokutsuki. Ah oui, c'est ce que tu fais quand tu t'entraînes en ligne là pendant des heures à taper 1000 fois dans un bambou là.
Mark the target. Notice the level of each hand and elbow. Compare and contrast the location and relation of each other. Straight punch. Chukutsuki. C'est ça. Il y en a un ou deux. Chukutsuki straight punch. Choku c'est direct, d'accord, merci. Ah, mais tu vois, avec toi en plus, je vais avoir le. Alors, utiliser tout le corps pour puncher. Il y en a beaucoup qui utilisent juste les armes, les bras. C'est une erreur, non, faut utiliser la hanche, les gars. Hein, le tambourin, Karate Kid. Executing Chukutsuki. D'accord, donc c'est vraiment le point direct devant. Chukutsuki, c'est facile, en fait, tu tapes dans les tablettes un peu. C'est quand même un Jodan, hein, un Chudan, on dirait. Hein. C'est pas du Jodan, c'est pas la tête. Hein. Breathing should be natural, silent and hidden. La respiration devrait être naturelle, silencieuse et cachée. J'ai devenu un bon. Et expirer sur le coup de poing. Ouais, mais ça je maîtrise grave, ça, Chukutsuki. Bon, ok. Non, j'aime bien, on apprend les trucs. Tac, alors je vais pas écrire comme ça, le Tsuki, moi j'aime pas, je préfère Tsuki. Ah merde, mais j'ai pas pris de l'image qui va bien. Je devrais avoir une bonne image sur Chukutsuki là de. Moi ça me fait penser à Tekken, moi. Blah. Pas mal celle-là. Blah. Jodan, du Kedan. Il n'y aurait pas un gros bourrin là. Tekken, là. Ça me pense à Tekken, moi. Jin Mayashima là. Jin Mishima. Pas un jean là qui fait un. Oh, celle-là est bien là. Avec le gif là. Ous. Ça c'est bien ça. Sokodo, Skalate. Pas si je me rends. Chukutsuki, jean. Mais c'est pas un Chukutsuki ça, jean. Non, bon, on va oublier Tekken. Je pense que. Quoi le plus parlant? De face, peut-être je vois bien ce que c'est. Allez, on va tenter celle-là. Chukutsuki. 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 On est parti. Mais vous étiez même pas en train de voir ce que je suis. Je suis nul. Chukutsuki. Bim. Bim. Alors là, par contre, comme c'est un mot que je connais pas du tout, je dois y aller. Ciao, Aaron. Y a pas de souci. Merci d'être passé. Je pense que je vais mettre un petit moyen mnémotechnique quand même. Je vais mettre un moyen mnémotechnique genre Choco quoi. C'est vraiment Chukutsuki si tu tapes dans les tablettes. Je pense que je vais faire ça. Ça me paraît essentiel. Ouais. Ok. Est-ce qu'il m'en reste beaucoup? Rakinuchi l'a déjà fait. Morote Uke. Alors, Morote Uke, ça en a pas du tout fait. C'est normal. Alors, je suis pas sûr que ça vous intéresse des mâles. Hein. Des masses. Qu'est-ce que je fais, moi? Le mot. Oh, Qu'est-ce que je fais? Ça part. Ce que j'ai fait. Je casse tout. Tac. Morote Uke. Morote Uke. Ouais, Morote Uke, c'est la double parade. C'est bien ça. Morote Uke, ils sont bien ces images. C'est marrant, lui met le point là. Ouais, écoute, ça ira, Morote Uke. Tac, on va l'enregistrer. Et du coup, on va dire que
Mort, ok, je vais rajouter image. Ok, c'est parade, donc ça va, je retiendrai que c'est la parade. Juste un truc peut-être, c'est pour dire moroté. Logiquement, moroté, je sais que c'est les deux bras. Moroté, je crois que ça veut dire les deux bras. Vérifions. Que dit le dictionnaire japonais? Que Aaron, il est plus là pour m'aider. Faut que je me débrouille maintenant. Morote Uchiuki. Si nous faisons une petite traduction du japonais Morote Uchiuki, nous apprenons que. Oh, les pubs. Nous apprenons que. Morote Uchiuki. Morote signifie à deux mains. D'accord. Uke signifie réception. Uchi intérieur. Ok. Ok, réception en deux mains. Bon, bah, très bien. Je valide, ça me va très bien. On va rester là-dessus. Salut! C'est un Drax, c'est la forme. C'est un peu de japonais. Voilà. Morote, ok. Est-ce que j'ai besoin de. Pff, si je vais préciser que c'est les deux mains, mais je sais que Morote, c'est les deux mains. Morote. Non, parce que Morote, j'aurais pas dit que c'était demain, tu vois, même en japonais. Tu veux pas te faire des matchs, Drax, si t'es chaud? Tu veux concentrer un petit peu? Je dis, ce sera peut-être mieux que mon vocabulaire de karaté, quoi. Quitter, c'est bon, ça je l'ai. Te osaeuke. Alors ça, je l'ai pas du tout. Te osaeuke. Il faut que j'aille voir ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Sachant que c'est un truc, je suis censé savoir ce que c'est. T, c'est ok. Je sais que c'est une parade. Mais en de là, à savoir ce que c'est. T, o, c'est ok. Oh! Maintenant, je sais ce que c'est. Maintenant, je l'ai vu. C'est pour ça l'image, c'est tellement brillant, quoi. C'est une parade vers le bas et ensuite avec un Nukité. Avec la pique de main, la lance dans la gorge. C'est mortel. C'est une attaque mortelle. Yes. T-Osei, ok, c'est ça. Oh là là, c'est beau. Je vais directement. Ça va rentrer directement. Dans 5 minutes, t'es prêt? Mais. Ok. Alors, je termine ça. Et dans 5 minutes, on se fait un petit match. Parce qu'il faut s'y remettre, hein, le championnat de France, etc. et tout. D'ailleurs, enfin, s'il y en a d'autres qui veulent faire des matchs, vous êtes les bienvenus, hein, pour se chauffer un petit peu. Ça ne fera pas de mal. Alors, je viens de dire T au Saeuke, bim, je vais mettre la photo, petite image. T au Saeuke. Alors là, par contre, clairement, il va me falloir un moyen mnémotechnique, une association, parce que je ne sais pas du tout. Donc, T, je sais que c'est la main, mais T au Sae. Alors, non, peut-être il faut d'abord que je regarde ce que ça veut dire au Sae. Et moi, T au Sae, T os, T os, T osa, T osa, T ça. Théos. Penser à un os. Osae. 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 Qu'est-ce que je peux trouver? Osae. Merde, ça me dit rien du tout. Peut-être si je veux une traduction quand même. Je vais peut-être aller voir une traduction. Tiens. Qu'est-ce qu'il raconte? Théosae, ok. Non, on sait pas ce que ça veut dire. En japonais. Ça veut dire quoi en japonais? C'est la main, ouais. Et osei alors. Osei, ok. À blocage maintenu. Ah, d'accord. Ok, donc peut-être si je fais translate, bim, je vais partir là-dessus. Ça voudrait dire quoi? Osei. Réprimer. Ouh, t'es Osei. Oui, c'est pour lui, il est perdu. D'accord, mais t'es, bon, je sais que c'est la main. Et moro, c'est bien un truc, moro plus morote. Les mains, les deux mains, quoi.
Osei, osei, ça veut dire réprimer, d'accord, ou bloquer. Bon, ok. Je valide. Je valide. Mais du coup, ça m'aide pas forcément à le retenir. Te osei, ok. Donc, je sais que c'est une parade, mais le te osei, c'est le osei en fait, hein. Ça me fait penser à Stromae, un peu loin. Osei, osei, osamuel, osei, osa. Osaie. Un os salé, un os. Qu'est-ce que je peux trouver? T'es en dessous. T'as trouvé le sens de saisie pour Osaie. Merci, Wasted. Sais pas si c'est vraiment ça parce que. Enfin, peut-être. Mais. Là, je cherche juste un moyen mnémotechnique pour repartir de Osae. Quand je vais entendre Osae, quand je vais entendre Teosae, ok. Teos, Teos, Teosae, Oh merde, là j'ai rien. Des fois, j'ai des trucs. Bon, pour l'instant, je vais mettre Os. Et puis, on verra plus tard. J'imagine, il fait la parade et du coup, il brise l'os, peut-être. Bon, on verra. Maitetsuki, donc ça c'est juste la main devant, tac, ouais. Ushibarai, ah Ushibarai, c'est un classique. Ushibarai, c'est, c'est quoi Ushibarai? Je sais plus, je sais plus ce que c'est Ushi. Sushi, non pas sushi les gars, mais non c'est quoi cette traduction là? Ushibarai, faites un effort quand même là. C'est Uchi Uchi. Uchi Balai. Ah, mais attention, c'est pas en judo. Hein. Voilà, c'est ça, Uchi Balai. C'est un Gedan Barai, mais vers le bas en fait. C'est marrant parce qu'ils ont le même en fait. Ça veut dire balayer vers le bas, je crois. Non, ça c'est un Uchi Uke. Ça c'est quoi? Uchi Ude Uke. Ben non. Et où le... Y'a pas Uchibarai? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y'a pas Uchibarai? Gedan Barai et Uchiuke, mais il n'y a pas. Bon. C'est marrant ça. Gedan Barai, je connais. Pourquoi il n'y aurait pas Uchi Barai? Ouais, moi, je sais pas. Quand tu veux, Andraxin, tu me dis. Ouais. Ouais, bah non, je l'ai pas au Tibarin. Attends, j'aurais pas fait une faute dans le. Ça m'arrive, des fois, je fais des fautes. Uchi Non. Uchi no Kite, Maete, Chokozuki. Ah non, c'est pas Uchi, c'est Ushibarai. Donc d'accord, c'est bien moi qui me suis bourré. Je vous explique. C'est Ushibarai, c'est pas Uchibarai. Et oui, il y a une nuance. Il y a une nuance. Donc Ushibarai. Bah, du coup. Oh punaise.
Là, il le marque avec Uchi. Blocage bactérien intérieur avec le côté interne de l'avant-bras, aussi bien sur des attaques diverses de poing que de pied exécutées souvent à partir d'une vive rotation du corps, permet de crocheter la jambe adverse ou de faire pivoter fortement l'attaquant sur sa jambe de pied ainsi déséquilibrée. La forme scientifique de telle façon qu'il nous présente son dos et là. Ok, bon, donc c'est bien ça. Du coup, c'est Uchibarai ou c'est. Uchibarai. On va rester là-dessus et puis on verra bien. Bim bim bim. J'en étais où moi? Uchi. Alors du coup c'est Uchi ou c'est Uchi? L'impression que c'est Uchi marin quand même. Accent phonétique. Allez bim. Uchimarai, bim bam, ok, close. Et la question, c'est est-ce que. Gedan Barai, ça veut dire quoi Barai? Bon, c'est parade. Et Uchi de l'intérieur. Ou vers l'intérieur. Ok. Ouais, Uchimarai peut-être. Pas forcément besoin d'ajouter un truc. Ça devrait le faire quoi. Et bien site aussi, il y a plein de trucs. Ça paraît rien, mais il y en a plein. Et puis surtout, il y a plein de variantes quoi. Parce que par exemple, Gidan Morote Kakiwake, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu ça moi. Ok, mais non, on n'était pas là-dessus là. J'étais sûr. T'es sur quoi moi? La suite, je sais pas où j'en suis moi. Ok, Uchibarai c'est bon. Chokutsuki on a dit c'est dans la tablette de chocolat devant. Eisokudachi. Celui-là je l'avais pas. Eisokudachi, tu vois, je sais même pas ce que c'est. Allez, on est parti. Eisokudachi. Eisokudachi, position avec les pieds parallèles, les talons ainsi que les orteils sont joints, le corps est droit, les jambes ne sont pas complètement tendues. Les postures d'attente sont utilisées dans les katas, elles permettent des déplacements multidirectionnels rapides. Eisokudachi, ok. Bon, bah ça, je vais pouvoir trouver quelque chose là peut-être. Sur Eisokudachi, Eisokudachi. Bon, celle-là elle est bien. Allez, bim. J'aime bien ces images-là, c'est assez générique. Isokudachi, bim, j'arrive, on repart. C'est bon pour toi, Drax? Bon, attends, je termine celle-là. Et puis, je suis à toi. Je vais te mettre une petite claque. Pas de raison. Hein. Je vais essayer. Hein. Edit, Isokudachi, je mets ma petite. Oui. Ma petite photo, bim, bam. C'est très bien. Et alors, Eisoku, comment je vais m'en rappeler? Eisoku, Eisoku, Eiso, 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 ça fait Eiso. Eisok. Eiso, ça me pensait à Eisore, peut-être. Eisoiku, qu'est-ce que je peux trouver pour Eisoiku? Non, je trouve rien là. J'ai Esso qui me vient. Oui, souris. Goku. Bon, je pourrais aller, on va dire Esso. Esso, le gars, il les sort. Et donc, il les sort sa serpillière en sautant dessus à pieds joints. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Parce qu'il y a eu un défi qui a été balancé. Et on accepte les défis, il n'y a pas de raison. Tac. Donc. Hop, j'arrive tout de suite. Et voilà, on y est. On est parti. Bah écoute,
Je te laisse m'inviter. Et puis on fait ce que tu veux. Hein. Sachant que ça va être ultra violent. Peut-être remettre un poil de musique, tiens. Parce que sinon les gens ils vont s'embêter. Attention les oreilles par contre parce que... C'est pas possible ce bruit. C'est pas possible. Je te préviens par contre, moi je vais enlever mes écouteurs parce que sinon je n'arrive pas à me concentrer. Petit échauffement sur les images, et bien écoute c'est parti. A tout de suite mon brave. Bonne chance. Mauvais, mauvais, mauvais. Ouais, je sais pas du tout là.
Thank you.
Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Que j'ai fait là, oh, j'ai inversé celle-là, ok. Là, juste, je les ai pas du tout volants. Hein. Il y a encore qui m'ont dit que je suis enrhumé. Allez, parti. Ah, les mots, attends, les mots. Je les mets là.
Thank you.
T'es gentil, Drax. Mais. Mais je crois que. Ouais, s'il est 50 un jour. Un jour, forcément, à force. Je pense qu'on va y arriver quand même. J'espère bien. Bon, moi je vais en rester là. Eh ben, merci à toi Draxas, merci à tout le monde. Ça va être le temps, le moment de plier les gaules, de rentrer chez nous. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine fois. Pareil, on fera un peu de Memory League pour ceux qui veulent, des matchs, s'il y en a que ça intéresse. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je sais pas, je sais pas, peut-être faudrait que je change un petit peu, peut-être je vais repartir sur les rois français, peut-être je pourrais refaire du vocabulaire. Faut que je trouve d'autres idées, peut-être un peu de contenu, ça peut valoir le coup de faire aussi des commentaires de séries sur la mémoire ou de documentaires. Pourquoi pas de bouquins? J'ai pas mal de bouquins sur le sujet. Peut-être à l'occasion, peut-être je vous parlerai de. Ouais, celui-là, je l'ai pas trouvé fantastique. Désolé, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé foufou celui-là. Bon. Bon, Jean-Yves, j'aime bien ce qu'il fait, mais là, le bouquin, je l'ai trouvé très. Très pauvre, quoi. C'est juste des histoires très perso. Puis j'aime pas trop le mode un peu discussion, c'est pas mon truc. Ça, c'est un de mes bouquins préférés, ça, c'est génial, c'est extrêmement puissant, ça. Ulrich Boser, ça se lit très très bien en plus, plein de références, très sérieux. Il y a la BD de Seb, qui est vraiment pas mal, ça, je l'aime bien, parce qu'il y a plein de. Super. Peut-être que je change la vue. Ça, il y a vraiment plein de super dessins et tout qui sont chouettes. Ça, je recommande énormément, même pour les enfants et tout. Là, j'étais là-dessus aussi récemment. Hein, les bouquins sur les cartes mentales. C'est amusant. Mais honnêtement, bon, c'est mignon, mais pas beaucoup de contenu au final, quoi. Le bouquin pourrait faire 10 pages. Hein. Ça serait la même. Et ben je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Désolé pour peut-être le manque de patates. Hein, grosse semaine là, en ce moment. Et puis on va se revoir. On va se revoir. Et puis surtout, ce que je vais faire peut-être, je vais refaire des. Ouais Tony. Au revoir Tony. Désolé Tony. C'était quoi 2018 qu'il est décédé, je crois. Bonne soirée Westy. À bientôt. Et puis je sais pas, on va trouver d'autres sujets. Et puis surtout, après, on va peut-être reprendre les entraînements plus sérieux et les tutoriels pour le championnat de France, peut-être plus en détail. À bientôt, bon week-end. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Salut.